Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Bokam. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc j'espère que vous allez bien les amis pour en part ça, super. Donc aujourd'hui on se retrouve pour cet épisode 30 sur ce let's play de Pokémon version Or Heart Gold en Nuzlocke Random les amis. Du coup aujourd'hui nous sommes à Safrania je crois. Et du coup aujourd'hui on va se taper l'arène. Et du coup les amis, nous avons fait une énorme séance d'XP. Parce qu'on avait vu que ça commençait à avoir des gros niveaux au niveau des arènes, notamment au niveau 69, l'arène précédente. Et du coup, on a monté notre petit raptor, on a montré le nouvel arrivant qui a Balbrume, point karaté, lame d'air dans Zrako, ce qui est pas mauvais. Il peut y avoir mieux. Il y a mieux, mais ça va encore, c'est tout à fait correct. Alors, là on est sur l'arène où il y a des putains de murs de merde. Il faut trouver la bonne Jasmine. La bonne Jasmine, il faut que je me rappelle c'est laquelle, c'est pas elle. C'est elle, hein. Ah, je suis Janine, championne de l'arène, même pas vrai. Bon, bah, c'est pas elle, c'est celle qui est en bas. Tortipus. Un singe en première position? Pourquoi pas? Damoclès par Tortipus, attention. Magikarp, attention. Il y a vraiment du gros Pokémon ici, quoi. Ah, Simiabraz un petit peu. Allez, piquer. C'est trop génial de se déguiser en celle qu'on a dit. Hop. Là, on met le petit total soin pour enlever la paralysie quand même. Et hop. Si ça se trouve, c'est elle. Hein. Non. C'est celle qui est en bas. C'est celle qui est en bas. Maintenant, je suis sûr. J'avais un pressentiment que je pensais que c'était elle. Et là 100% c'est elle. On va commencer avec souris. Ah dommage, mais c'est raté. Et non, c'était encore un piège. C'est moi la vraie Janine de la reine de Parmanie. Eh, c'était pas Safrania, c'était Parmanie, je crois. Oh let's go. On est parti contre Jasmine, c'est ça? Ouais, ça s'appelle Malcolm, hein. You are not the boss of me now. Comment ça, seulement niveau 56? C'est du foutage de gueule, là. T'es en train de me dire que c'est seulement niveau 56. Alors que tout à l'heure, on avait du niveau 69 sur Erika. Ok, ok. Mais c'est une blague. C'est une énorme blague. C'est une énorme blague, Staren. Attends. Léviator, niveau 56, toujours? Mais c'est une énorme blague. Ok. Quoi, Tox? Tu m'envoies un vrai Pokémon, s'il te plaît, niveau 60? Tu permets, je vais vite fait switcher de Pokémon. Et puis je vais passer sur Raptor. Ah, mais si c'est comme ça, en fait, on va faire deux arènes dans le même épisode, en fait. Réellement. On enchaîne sur l'arène de Safrania après. Allez, balle brume, s'il te plaît. Allez, balle brume. Là, tu prends le one shot, hein, bâtard. Même pas. Ok. Ariyama. Mais c'est quoi cette arène, les frères? C'est quoi cette arène, les gars? Par contre, ouais, mais de toute façon, je suis con parce que c'est pas stable. Du coup, vaut mieux que je tape avec lame d'air en fait. Je sais pas pourquoi je me suis forcé à taper avec balle brune en fait. Pa 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 pa.
Ok. Lander. Ah, elle fait guérison, normal. On refait Lander. C'est vraiment l'arène la plus facile que j'ai jamais vue, par contre. Oh, par contre, arène plus facile, mais guérison, s'il te plaît, quand même. Moi aussi, tu permets, j'ai le droit à une guérison aussi, quand même. Lander. Alors. Lander. Et encore Lander. C'était une arène plutôt facile. Tu as du talent, toi. Je comprends que tu aies réussi à vaincre Koga du Conseil 4. C'est-à-dire mon papa. Ah, que Dieu. Allez, j'ai perdu sur toute la ligne. Tiens, prends ce badjam. Et tu as tant de talent que tu mérites un cadeau en plus. C'est direct toxique. Une attaque qui peut aussi empoisonner sa cible. Ouh là là. Ok. Ok. On est parti par là-bas. Et voilà. J'ai envie de dire, on enchaîne. Hein. On enchaîne sur Morgane, hein, du coup. Hein. On enchaîne sur Morgane, j'ai envie de vous dire. Hop. On est parti. On enchaîne sur la petite Morgane, hein, du coup. On va pas s'embêter. Faut qu'on lui apprenne vol. Faut qu'on lui apprenne vol. Allez, tout Raptor. Vol, vol, vol. Et tu vol, vol, vol. Est-ce qu'on va vraiment faire des danses Draco? Où est-ce qu'on enlève Lander? C'est quoi, on va enlever Lander? On va enlever Lander. Vol. Non, on va pas sauvegarder, je suis con. Vol. On est parti pour Safradia, du coup. Ok. On arrive à Safrania et on est parti pour la reine, du coup. Hein. On est parti pour la reine. On est allé se soigner ou pas? Je sais pas. Je sais pas si on est allé se soigner. J'ai pas l'impression. Enfin, non, mais est-ce qu'il y a besoin? Non. Alors, on est parti pour la reine des téléporteurs. Hein. Aïe, 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 aïe. La fameuse arène des téléporteurs. Là, on fait au pif, je vous avoue. Attends. Peut-être ici. Attends. Bref. On essaie les téléporteurs de cette salle un peu. Donc, il n'y en a aucun qui conduit à la championne ici. Ah, ici, bon, une dresseuse. Ok, méga sensu. Méga sensu. Ok, petit art, méga sensu. Genre, on one shot pas. Ok. Alors, on va voir dans cette pièce. Ok. Et voilà, les amis. Qui a dit que les téléporteurs. Qui a dit que les téléporteurs c'était difficile? Aïe 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 aïe, mais quel génie, quel génie! Bon, quelle chance aussi, mais ça faut pas le dire. Alors les potes, on est parti. Je savais que tu viendrais, j'ai eu une vision il y a 3 ans. Tu en as après mon badge, non? Je n'aime pas combattre, mais en tant que champion, je me dois de ne confier mon badge qu'aux dresseurs qui le méritent. Comme tu insistes, prépare-toi à affronter mes pouvoirs psychiques. Ah, contre Morgane! Allez, on est parti! Jasmine, attention, on va lancer par champion de Jasmine. Ils aiment bien les groupes notes. Hein. Oh, mais il y a que des Pokémon de merde hein, là sur les arènes de Kanto. Hein. Est-ce qu'il y a un champion qui nous. Ouais, il y a Pierre vite fait qui nous a. Trou noir. Et on va faire. On va faire demi-tour. On va faire demi-tour. Quasiment. Moi je suis chaud pour envoyer un ninja là. Là il va faire. Là il va utiliser une guérison. Même pas.
On voit Dodio. Dodio niveau 66, ok. En plus, c'est lui son Pokémon le plus haut level. Hein. Bon, rayon gemme. Ok, ça c'est cool. Ah, c'est bon. Big note. Ah, franchement, trop facile. Hein. Les arènes là, beaucoup trop facile. Bon, guérison. Je m'attendais. Le truc, c'est qu'ils auraient des Pokémon. Avec les niveaux qu'ils ont, ils auraient des Pokémon forts, tu vois. Des, genre des Pokémon légendaires et tout. Ça pourrait le faire, tu vois, dans. Genre des Pokémon badass et tout, mais non en fait. Genre ils ont que des Pokémon de merde. Dracogriff. Allez, Dracogriff. Et voyons voir ce qu'elle va nous balancer en troisième et dernier Pokémon. Ectoplasma. Hihi, je sais comment ça va se finir. On va voir comment ça va se finir. Flagration, ouais. C'est sacrifice. On fait une déflagration. Ok. Oh, il y a son double en plus. Ce n'est pas le futur que j'avais vu. On va voir Saumur. On termine avec Saumur là, je pense. Et ouais! Raptor monte au niveau 66. Vous avez battu champion Jasmine, évidemment. T'as perdu. Ta force est grande, plus encore que je ne l'avais prévu. Peut-être qu'il est impossible de prédire totalement l'avenir. Bien, tu as mérité ce badge marée. Car on soit le badge marée de Morgane. Et oui, j'étais incapable de prévoir ta puissance. Cela signifie que ta puissance dépasse mes pouvoirs psychiques. Tu mérites de recevoir en plus une capsule technique. Quoi, psycho peut-être? Elle contient échange qui intervient-il les capacités spéciales. Ton futur est radieux, tu deviendras maître. Je suis déjà maître. Je suis déjà maître. Ok. Alors. On est parti pour. Pour aller au centre Pokémon, on va se soigner. Bon, il veut quoi le professeur Chen là? Il veut quoi? Allô, c'est le professeur Chen à l'appareil. J'ai oublié de dire que tu attrapes plein de Pokémon. C'est tout? Si tu veux, si tu veux, mec. Ouais. Ok. Bonjour, bienvenue au centre Pokémon. Vous voulez soigner vos Pokémon? Voulez-vous les soigner? Ben évidemment qu'on va les soigner, nos petits Pokémon. Ben, franchement, c'était un. On a fait deux arènes là en 14 minutes d'épisode là. On a été speed aujourd'hui là. Prochaine arène, on ira vers les huiles écume du coup pour aller vers la 7ème arène de Kanto. Pas Johto, qu'est-ce que je dis. On va se rendre direct à Parmani. On va se rendre à Parmani. Et là dans le prochain épisode, bah, il faut qu'on descende par là. Faut qu'on descende par là. Et voilà, du coup les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu, un petit commentaire également. Et bien sûr, c'était Poka. Et allez, ciao ciao.